Salut à tous et bienvenue pour cette cinquième vidéo à l'occasion d'Halloween, toujours à regarder dans le noir. Et pour cette soirée du 31 octobre, on vous a préparé une petite surprise, puisqu'on va vous parler non pas d'un, mais de deux films. On va vous parler de Halloween, l'original de John Carpenter, mais aussi de la version de 2007 de Rob Zombie. Alors, on va vous pitcher vite fait les deux films, on va vous expliquer les différences notables, etc. entre les deux. En gros, on va vous faire un petit versus. Alors bien sûr, ce sont des classiques, enfin le premier tout du moins, donc ça va spoiler à balle, j'aime autant vous le dire. À Dunfield, Illinois, la nuit d'Halloween, le jeune Michael Myers va assassiner sa sœur Judith à coups de couteau de cuisine. Reconnu dément, il est interné dans un asile psychiatrique pendant 15 ans, au bout desquels il s'enfuira pour retourner à Haddonfield pour assassiner sa deuxième sœur en la personne de Laurie Strode. Le docteur Loomis, son psychiatre, va bien sûr tenter de l'arrêter dans sa folie meurtrière. Alors le pitch du film est plus ou moins le même dans les deux films. Il y a quelques dates qui changent, c'est-à-dire que l'époque n'est pas tout à fait la même dans les deux films, mais sinon, en gros, la trame est la même. Ouais, au niveau de la chronologie des événements aussi, il y a quelques changements. On va vous développer ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va vous décrire les principales différences entre les deux films. Pour commencer, avant de vous livrer nos avis sur les deux films. Donc on va commencer par les personnages. Alors, Michael Myers, interprété dans le premier film par deux acteurs différents. Tony Moran, lorsque Michael apparaît démasqué, parce que oui, premier spoil, il apparaît démasqué dans le premier film. Et Nick Castle, lorsqu'il apparaît sous son apparence la plus célèbre, masqué, là où il est surnommé The Shape. Et il est interprété dans la version de Rob Zombie de 2007 par Tyler Mane. Dans La Nuit des Masques, Michael Myers est né le 19 octobre 1957. Alors dans le film de Rob Zombie, étant donné que l'action est censée se passer en 1990, qu'on sait que ça fait 15 ans, qu'il a passé 15 ans enfermé et qu'il a 10 ans au début du film, on peut estimer sa date de naissance à l'année 1965. Il a deux sœurs, ce qui ne changera pas dans les deux films, à savoir sa sœur aînée, Judith, qui, comme vous le savez, je pense, hein, c'est le point de départ du film, finira assassiné la nuit d'Halloween, et sa sœur cadette en la personne de Laurie Strode. Dans le film original, Michael Myers commettra son premier meurtre à la nuit d'Halloween, donc le 31 octobre de l'année 1963. Il sera seul chez lui, gardé uniquement par sa sœur Judith, qui, au lieu de s'occuper de son frère cadet, préférera s'occuper de son petit copain. Je vous fais pas un dessin. Là-dessus, le jeune Michael va s'emparer d'un couteau de cuisine et va tout simplement dessouder sa sœur. Il est sympa ce petit gars. Alors sa biographie officielle mentionne qu'à l'âge de 6 ans, il aurait apparemment entendu des voix lui ordonnant de faire tout un tas de choses. Alors ça, encore une fois, c'est pas montré dans le film, mais ça fait partie de la bio officielle. Donc suite à ça, il finira interné en hôpital psychiatrique dans lequel il sera suivi par le docteur Loomis. Saut dans le temps. On le retrouvera immédiatement 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, à sa sortie, en fait, après son évasion de l'hôpital psychiatrique. Hospitalisation pendant laquelle on apprendra plus tard par le docteur Loomis que Michael Myers était dans un état quasi catatonique, ne s'exprimant absolument plus et ne bougeant quasiment plus. Ce point, d'ailleurs, sera exploité dans les deux films. Le 30 octobre 1978, Michael Myers s'évadera de sa cellule, enfin de sa chambre, en gravant le mot « sœur » sur la porte. Ce qui laisse sous-entendre qu'il va à Haddonfield retrouver sa sœur Laurie Strode. Dans son escapade meurtrière, il va assassiner un chauffeur routier pour lui voler la fameuse combinaison qu'on lui connaît et qui déterminera l'apparence qu'aura Michael Myers durant toute la saga en fait. Ce point, l'assassinat du chauffeur routier au moment où Michael prend sa combinaison, n'est pas montré dans le film original, mais sera montré explicitement à l'image dans le film de Rob Zombie. Le chauffeur routier en question étant interprété par Ken Foree, hein, toujours lui, on parle quand même très souvent de lui, qui est un habitué des films de Rob Zombie d'ailleurs. Grosse différence, à ce moment-là, dans la biographie de Michael Myers, enfin dans la manière dont c'est montré, rappelez-vous que dans le film original, la mort, le premier meurtre de Michael date de la nuit d'Halloween. 1963.
Dans le film de Rob Zombie, on commence à suivre Michael bien avant. Du coup, son premier meurtre n'est pas celui de sa sœur, mais celui d'un élève de son école qui le harcelait, on va dire, qu'il tuera, on le suppose à ce moment-là par vengeance, à coups de branche. Ce meurtre n'aura pas de conséquences directes. Ce qui va s'avérer déterminant sera la série de meurtres qu'il va perpétuer la nuit d'Halloween, nuit pendant laquelle il tuera, à la différence du film original, non seulement sa sœur, mais également son beau-père et le petit ami de sa sœur. Donc il est, entre guillemets, beaucoup plus prolifique dans le film de Rob Zombie. Dans La Nuit des Masques, Laurie Strode est née Cynthia Myers en 1961. Elle est la plus jeune de la fratrie Myers. Elle n'a que 2 ans lorsque Michael tue sa sœur Judy. Le 3 janvier 1965, ses parents décéderont dans un accident de voiture. Cynthia sera alors adoptée par la famille Strode, qui lui changeront donc son nom et l'appelleront Laurie Strode. Le gouverneur de l'Illinois va garder son dossier bien scellé pour que personne ne puisse faire le rapprochement entre Laurie et Michael Myers. Et d'ailleurs, Laurie oubliera tout son passé, l'alliant avec la famille Myers. Lorsque Michael Myers s'enfuit, Laurie a à ce moment-là 17 ans, donc c'est une jeune fille un peu timide, qui n'a pas le caractère extraverti de ses camarades de classe. Le 31 octobre, son père lui demande de déposer en fait des clés à l'ancien domicile des Myers parce que depuis le massacre, en fait, la maison est en vente, elle est abandonnée en fait. Et donc c'est à ce moment-là que Michael va la croiser, va la reconnaître et va la traquer en fait. Dans le remake de Rob Zombie, c'est un petit peu différent puisque ses parents ne décèdent pas dans un accident de voiture. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est son père, il n'est pas du tout développé. Elle a donc ce fameux beau-père qui est maltraitant avec elle et avec tous les autres de la fratrie, même avec sa femme d'ailleurs. Beau-père qui finira d'ailleurs assassiné par Michael, et puis sa mère est stripteaseuse. Interprétée, grande surprise, par Sherry Moon Zombie. Et là où ça change aussi, c'est que le prénom de Laurie, c'est Angel dans le remake de Rob Zombie. L'autre différence notable, c'est que du coup, la mère de Laurie et de Michael se suicidera en fait quelques mois après l'internement de Michael. Dans La Nuit des Masques, Laurie est interprétée par la grande Jamie Lee Curtis. Dans le remake de Rob Zombie, Laurie est jouée par Scoot Taylor Compton. Le docteur Loomis. Le docteur Loomis est un des personnages les plus importants du film original, voire de toute la saga, puisqu'il est le psychiatre qui va suivre Michael Myers depuis ses 6 ans dans La Nuit des Masques et depuis ses 10 ans dans la version de Rob Zombie. Le docteur Loomis connaît Michael mieux que quiconque, hein, plus que ses propres parents, puisqu'il passe quasiment une bonne partie de sa vie avec lui. Alors, dans les deux films, les deux personnages par contre sont assez similaires dans les deux films. Le docteur Loomis va expliquer, vraiment de manière explicite, hein, c'est dit vraiment dans les deux films, que Michael Myers n'est qu'une coquille vide, sans âme, sans émotion, sans une once d'humanité, sans empathie, et qu'il est simplement un corps, vraiment un corps humain, mais habité par rien d'autre que le mal absolu. Dans les deux films, le docteur Loomis préconisera un internement de Michael dans une unité de sécurité maximale, ce qui lui sera refusé vu l'état catatonique dans lequel se trouve notre joyeux sociopathe. Dans les deux films, le docteur Loomis, bien sûr, tentera à peu près tout ce qui est en son pouvoir pour tenter d'arrêter Michael, sans succès, hein, vous en doutez bien, sinon il n'y a pas de film. Autre différence notable, c'est que dans le film de Rob Zombie, le docteur Loomis apparaît avant, connaît Michael, entre guillemets, avant ces fameux meurtres d'Halloween, puisqu'il rencontre la mère de Michael, Après que je crois que c'est la proviseure ou la directrice de son école. C'est le directeur. Le directeur de son école ait trouvé dans son sac des photos d'animaux morts, torturés, des cadavres d'animaux torturés dans le sac de Michael. Donc le docteur Loomis suit Michael à partir de ce moment-là. Alors il écrira d'ailleurs un livre aussi, ça on le verra dans la version de Rob Zombie. Il présente un livre en fait qu'il a écrit sur Michael Myers expliquant tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Le docteur Loomis est interprété par Donald Pleasence dans le premier film et par, on s'excuse, Monsieur Malcolm McDowell, rien que ça, dans le film de Rob Zombie.
Alors déjà, la grosse différence entre les deux films, c'est que dans le Halloween de Rob Zombie, le personnage de Michael Myers est beaucoup plus développé. C'est-à-dire que là où dans La Nuit des Masques, on va tout de suite commencer le film avec le meurtre de la sœur de Michael Myers, dans le film de Rob Zombie, on va un petit peu plus développer en fait le parcours familial. C'est-à-dire, on va nous montrer qu'il a une famille quand même très, très désordonnée, une famille de white trash, hein, on va pas se mentir. Oui, comme Rob Zombie les affectionne, avec une mère stripteaseuse, un beau-père alcoolique, comme on vous disait avant, maltraitant, etc. Avec des camarades de classe qui le maltraitent, une sœur qui n'est pas non plus très sympa avec lui. Donc voilà, et en fait, ça va donner un peu de... un truc en plus, en fait, au personnage de Michael Myers, puisque du coup, ça va un peu presque nous expliquer pourquoi il devient ce qu'il devient. Et du coup, en fait, Michael, on a un peu l'impression qu'il montre de l'affection uniquement pour sa mère, et c'est simplement parce qu'on a cette impression, en voyant le film, que c'est la seule personne, en fait, qui le traite correctement et avec amour. Autre différence notable dans le film original, Michael Myers est un tueur quand même assez furtif, il a une présence presque fantomatique, il agit vite, silencieusement, d'où son surnom de The Shape, la silhouette en français. Je crois que c'est Loomis qui le surnomme comme ça dans la version originale, il me semble. Dans la version française, il l'appelle la chose, simplement il le dépersonnalise vraiment. Alors cet aspect-là disparaît un peu dans le film de Rob Zombie, parce que dans le film original, on ne connaît pas les motivations de Michael Myers, c'est simplement un gamin qui, à un moment donné de sa vie, a craqué un neurone, pardonnez-moi l'expression, et a décidé de buter tout le monde. Dans le film de Rob Zombie, c'est beaucoup plus expliqué. Comme on l'a dit tout à l'heure, le film, chronologiquement, commence quelques jours ou quelques semaines avant. En fait, le film va presque légitimer, pas excuser, mais légitimer les meurtres de Michael, dans la mesure où, on vous l'a dit tout à l'heure, son parcours est beaucoup plus détaillé. Ce qui tend à le rapprocher beaucoup plus d'un vrai serial killer par rapport à son environnement. Si vous vous y intéressez, vous savez de quoi on parle. Sinon, faites de recherche sur le sujet, c'est vraiment intéressant. Et il a un côté extrêmement brutal, vraiment. Il n'a plus du tout ce côté furtif, silencieux. Il tue vraiment de la manière la plus... c'est toujours la plus froide, mais la plus brutale possible. Du coup, son surnom de The Shape ne lui colle plus trop. Ah, on est presque proche d'un Jason Voorhees des premiers Vendredi 13, quoi. Une des différences aussi concernant Michael, c'est que dans le film de Rob Zombie, en fait, il y a vraiment un délire avec les masques. Hein. C'est-à-dire que le masque a vraiment une place très importante dans le film, parce que tout au long de son internement, déjà, Michael va créer des masques. Il va en créer énormément. Et en fait, à partir du moment où il enfile le masque, c'est comme s'il se déconnectait en fait de notre monde, de sa personnalité. Et il devient juste cette fameuse coquille vide dont parle le docteur Loomis en fait. Il y a d'ailleurs cette scène après les meurtres de Judith, donc de son beau-père, etc. où il rentre dans la chambre de Laurie. Il enlève en fait son masque, il esquisse un sourire, il lui fait une bise et il lui souhaite un joyeux Halloween. Et en fait, c'est là qu'on voit que hop, il enlève son masque et il est de nouveau là en fait. Ouais, ce qui sous-entend aussi que dans le film de Rob Zombie, il n'y a pas un moment où il bascule vraiment dans cette espèce de folie meurtrière, ça se fait crescendo en fait, il va basculer petit à petit, vraiment comme dans le cas d'un vrai serial killer en fait. Justement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rob Zombie a fait en fait des recherches avec des enfants psychopathes en fait, parce qu'il veut vraiment, il voulait vraiment ancrer en fait son film dans la réalité. Et c'est ça en fait qui va aussi énormément différer entre les deux films, c'est que là où on a un film qui n'est pas forcément ancré dans la réalité, parce que dans le premier, dans La Nuit des Masques, quand il s'enfuit en fait de l'asile, Michael va prendre un véhicule alors que il est enfermé depuis son enfance, donc il n'a jamais pu apprendre à conduire. Non, dans celui de Rob Zombie, il ne va pas prendre de véhicule, il est vraiment ancré dans la réalité et dans la vraie vie. Même si, et il a quand même sa force surhumaine. Ouais, parce que, autre différence notable, et ça je pense que visuellement c'est ce qui saute le plus aux yeux, c'est que dans le premier, dans le film original, donc dans La Nuit des Masques,
Ben, Michael Myers a une corpulence normale, entre guillemets, à savoir que c'est un homme de taille moyenne qui n'est pas particulièrement corpulent. Oui, il est même presque un peu chétif. Ben, il est censé être relativement jeune, mais il est quand même doté déjà d'une grande force physique dans le premier, puisqu'on le voit à un moment donné du film, il est capable de décoller des personnes à main nue en les tenant par le cou d'une seule main. Déjà ça. Alors que dans le film de Rob Zombie, il a un physique totalement différent. Il doit mesurer un peu plus de 2 mètres. Il est extrêmement, extrêmement massif. Je crois que même Jason n'a jamais été aussi massif que ça. Et en parlant de force physique, là, il a une force physique mais prodigieuse, hein, vraiment, puisque autant il était déjà assez fort physiquement dans le premier, autant dans celui-là, sans vous dire comment ça se passe, il est quand même capable de tuer des gens littéralement à main nue. Donc il a quand même une force physique prodigieuse, et ça devient une espèce de surhomme en fait, quoi. Il a plus du tout ce côté fantomatique et furtif. C'est ça, il est là. Puis l'acteur qui le joue en même temps, il me semble que c'est un catcheur. Un ancien catcheur canadien. Voilà, il me semble. Ouais. Le traitement du personnage de Michael Myers dans le film de Rob Zombie, du fait de son passif, de son modus operandi et tout ça, ben ça contribue à la fois à le rendre plus humain, puisqu'il est plus proche d'un vrai serial killer, et en même temps, ça le rend beaucoup plus brutal. Parce que là, il a plus cette présence quasi surnaturelle, et c'est juste un simple être humain qui est capable des pires atrocités. Donc ça joue sur les deux tableaux. En parlant de brutalité, Rob Zombie, dans son film, ne nous épargne aucun meurtre. Le film est hyper gore, hyper violent, on a des scènes très graphiques, alors que dans La Nuit des Masques, souvent les meurtres sont quand même hors champ. Alors si les meurtres sont quasiment tout le temps hors champ, c'est peut-être aussi pour accentuer en fait cet effet furtif de Michael, alors que là, comme il l'est plus du tout et comme il est vraiment dans la brutalité, on peut montrer les meurtres tels qu'ils sont, quoi. Ouais, puis il faut pas oublier qu'on est devant un film de Rob Zombie, hein, quand même. Aussi. Ouais, tout ce que ça implique. Le Halloween de Rob Zombie est divisé, disons, en 3 parties assez distinctes. Il va y avoir la première partie, donc, où on va développer tous les liens familiaux et environnementaux de Michael. Ensuite, il y a la deuxième partie, qui est quand même relativement longue, où on va suivre Michael pendant son internement. Et ensuite, il y a la troisième partie, où il va y avoir toute la traque, en fait, de Laurie. Ce qui change, du coup, par rapport à La Nuit des Masques, c'est que dans La Nuit des Masques, il y a, disons, 2 parties. La partie où on voit Michael Myers tuer donc sa sœur, et ensuite, ouais, la partie... qui est plus une introduction même, parce que oui, c'est quand même c'est très même pas très vraiment cool. Une partie. Vraiment en fait, c'est vrai que du coup, La Nuit des Masques, c'est plutôt on va se concentrer sur la traque de Michael Myers. Voilà, voilà, c'est ça. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Rob Zombie, quand il a commencé la production du remake d'Halloween, il a appelé en fait Carpenter pour lui demander des conseils. Carpenter, en fait, lui a tout simplement répondu qu'il devait faire son propre film. Et je pense que pour le coup, ouais, là, c'est vraiment un film de Rob Zombie. Hein. On peut pas dire autre chose. Alors, Orion, anecdote, bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, pour ainsi dire tout le monde, qui la connaît, mais petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Le célébrissime masque de Michael Myers est le masque à la base d'une personne réelle, en la personne de William Shatner, l'interprète du capitaine Kirk dans Star Trek. C'est un masque qui avait été acheté à peu près pour 2$, qui a été simplement peint en blanc. Voilà, ce qui a donné le résultat qu'on connaît. Donc quand vous regardez Michael Myers, en fait, vous regardez William Shatner. Blanc. Blanc. Très blanc. Il avait la grippe toujours là. Autre anecdote, contrairement à la croyance populaire, Halloween n'est pas le premier slasher. C'est le film qui a, on va dire... Popularisé le genre, mais le premier film qui puisse être considéré comme un slasher, eh bien Black Christmas, sorti en 1974. Film d'ailleurs dont John Carpenter s'inspirera énormément pour son Halloween. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, c'est une vidéo versus, donc lequel est le meilleur? On a comparé plus ou moins en gros les deux films, mais maintenant on va un petit peu plus approfondir, enfin on va plutôt vous dire ce que nous on préfère dans chacun des deux films. Pour ma part, moi j'aimerais commencer avec le personnage de Laurie en fait. Pour moi, clairement, le personnage de Laurie de La Nuit des Masques est clairement au-dessus. Déjà pour la simple et bonne raison que... C'est Jamie Lee Curtis. Oui, non, oui, c'est Jamie Lee Curtis, évidemment. Personne ne peut la battre. Enfin, presque personne, peut-être. Même pas Michael. Même pas Michael.
Mais non, disons que là où son personnage est plus fort, c'est que dans le premier, en fait, Laurie est le personnage principal. On suit Laurie. Alors que dans le remake de Rob Zombie, là, le personnage principal, c'est clairement Michael Myers, puisqu'on va vraiment suivre toute son évolution. Là où, dans la nuit masque, on suivait l'évolution de Laurie. Après, bien sûr, le jeu d'acteur fait que, ben, t'es face à Jamie Lee Curtis, je suis désolée, tu peux pas gagner. Le personnage est, en fait, je sais pas comment dire, mais le personnage de Laurie, de Rob Zombie, il lui manque un truc. Il est pas assez creusé, il est pas assez approfondi, on n'arrive pas à s'attacher à 100% au personnage, en fait. Bah pour moi, ça vient un peu d'une faiblesse d'écriture de la part de Rob Zombie. Alors, j'aime pas dire ça, hein, parce que Rob Zombie, c'est Rob Zombie, on aime beaucoup. Mais Rob Zombie, pour moi, il est très doué quand il s'agit d'écrire des personnages de freaks ou de white trash. Ce que ne sont pas, dans sa version, le personnage de Laurie et de ses amis. Alors pour moi, ça vient d'une faiblesse d'écriture. Les personnages les mieux écrits, c'est la famille de Michael, qui malheureusement disparaît assez tôt. Alors le personnage de Loomis aussi, par contre, est très bien écrit, oui. Ça j'aime beaucoup. Mais l'entourage de Laurie... J'irais pas jusqu'à dire que c'est malaisant, mais... Après, je me demande quand même si c'est pas fait pas exprès. Crédible. Parce qu'il faut que les camarades de classe soient un petit peu agaçantes. Ouais, mais là, là, tu ressens... Moi, je trouve que tu ressens, en regardant le film, que c'est pas intentionnel. C'est dû à une faiblesse d'écriture, en fait. Donc moi, là, déjà, sur ce point, moi, je donne le point au film original. Ah, clairement. Clairement, au niveau des personnages. Après, je pense qu'il a volontairement laissé un peu Laurie de côté pour vraiment se focaliser sur Michael. Ça, c'est sûr. Ouais, Loomis aussi a beaucoup plus d'importance. Loomis a plus d'importance, ouais. Mais voilà, donc là, le point, il est clairement... Il est clairement pour l'original. À l'original. Concernant le personnage de Michael, on l'a dit, déjà, c'est difficile. Là, ça va être très difficile de faire mieux, parce que le premier Halloween, La Nuit des Masques, c'est la base. C'est le film qui a posé les bases du personnage de Michael Myers, qui est encore appelé aujourd'hui The Shape par les fans. Est-il besoin d'en dire plus, puisque ce côté-là disparaît totalement dans le film de Rob Zombie. Le film de Rob Zombie, pour moi, à la fois, il apporte quelque chose au personnage de Michael. Ça, tu le disais tout à l'heure. Oui. Pour moi, c'est difficile en fait de choisir sur ce point-là un des deux films. Parce que j'apprécie énormément The Shape. Parce que je pense que c'est quelque chose qui ne se faisait pas tellement à ce moment-là dans le slasher. Et d'un autre côté, j'affectionne énormément aussi le côté brutal de Michael, de Rob Zombie. Pour moi, c'est difficile parce que c'est comme si c'était deux personnages totalement différents. Donc en fait, je peux pas choisir un des deux. Pour moi, c'est égalité à ce niveau-là. Bah, il a des points communs. Les deux personnages, même si c'est le même dans les deux films, ont des points communs, à savoir la recherche de Laurie Strode, etc. Oui. Donc pour moi, on peut les comparer. Moi, j'aime bien au cinéma, dans les slashers, j'aime bien les tueurs massifs, brutaux, etc. Il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, il y a principalement Jason qui a cette dimension-là, parce que les autres sont assez... Il évolue aussi, Jason. Ouais, les autres sont assez... Vous prenez par exemple Ghostface dans Scream ou Freddy Krueger, si vous associez ça à un slasher, ou même la version originale de... Oui, ils ne sont pas particulièrement Ils ne sont pas particulièrement forts. Ouais. Moi, je trouve que ça apporte quelque chose au slasher. Le fait d'avoir un personnage aussi massif, aussi brutal dans le slasher, c'est aussi bien fait, parce qu'on ne va pas se mentir. Il y avait Jason Voorhees, mais tous les Vendredis 13 ne sont pas excellents, loin de là. On y reviendra peut-être sur une future vidéo. Ça apporte quelque chose, mais ça retire en même temps quelque chose. Ça lui retire le côté furtif. Il est menaçant. Non. Alors, il est menaçant quand il est là. Parce que quand il est là, tu sais que t'es foutu. Quand il est là, tu sais que t'es foutu. T'es mort. Alors, il est beaucoup plus menaçant quand tu sais qu'il est là, parce que dans le film de Rob Zombie, tu n'as aucune chance de lui échapper. Il est là, tu es mort. Voilà, c'est fini. Il est plus menaçant dans l'original. Parce que tu sais pas quand il est là. Parce que tu sais pas quand il va arriver. Il est beaucoup plus furtif. Mm-hmm. Après, quand il est là, est-ce que tu as une chance de t'en sortir? Si tu cours vite. Si tu cours très vite. Et encore. Moi, je donne de nouveau le point au premier film. Moi, je laisse ex aequo. Moi, je peux pas choisir parce que pour moi, c'est deux personnages. De peu, hein. De très très peu. Totalement différents. C'est incomparable. C'est pas le même. Déjà parce que psychologiquement, il est beaucoup plus travaillé. Et du coup, tu t'attaches aussi finalement à ce personnage et je peux pas choisir. Pour moi, c'est égalité, c'est pas le même personnage, c'est pareil. La balle au centre. Moi, comme dit, c'est le premier film, mais de très peu. Pour moi, le gros point fort cette fois-ci, et là, clairement, je vais vous spoil, je laisse l'avantage, mais de loin, au film de Rob Zombie, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est le personnage de Loomis, quoi. Parce que Michael, putain de McDowell, quoi. Déjà d'une, hein. J'ai tout dit.
Et j'ai préféré franchement l'écriture du personnage de Loomis dans le remake. Il est réécrit totalement différemment. Oui, et puis il a une place plus importante. Ouais, le personnage de Loomis, je trouve qu'il est beaucoup plus développé, il est beaucoup plus présent, il va tenir un rôle beaucoup plus important dans le récit, et il est mieux écrit, quoi. Je suis vraiment désolé, hein. Ça m'embête de dire ça, parce qu'Halloween, c'est un classique absolu, mais pour moi, le personnage de Loomis, pour moi, il est mieux écrit dans le personnage de Rob Zombie. Pour moi, c'est un des grands points forts du film, donc là, point pour Rob Zombie, hein, en ce qui concerne Loomis. Hein. Pareil. Pour départager encore ces deux films, on pourrait parler des incohérences, en fait. Mais, encore une fois, est-ce que le fait que Michael prenne une bagnole dans La Nuit des Masques, ce soit une incohérence? Ouais. Ou est-ce que c'est juste pour lui donner un petit côté surnaturel en plus, sachant qu'il est déjà un petit peu surnaturel dans sa façon d'être, de se déplacer, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, Rob Zombie a vraiment essayé d'ancrer ça dans la réalité et donc de supprimer tous ces petits trucs un peu incohérents. Est-ce qu'on lui met le point pour ça ou pas? Alors moi, il y a un point que j'ai aimé dans le film de Rob Zombie, c'est comme dit, après, ça ne vaut que si vous vous intéressez au serial killer. Parce que dans le film de Rob Zombie, et c'est pour ça aussi que le personnage de Loomis s'est plus développé, c'est qu'il va insister sur le fait que Michael Myers n'est pas capable d'empathie, que c'est un manipulateur, qu'il va feindre son côté catatonique. Et on va voir aussi, comme on l'a dit, ce qui a conduit plus ou moins Michael Myers à devenir ce qu'il est. Ça, j'ai aimé dans la mesure où c'est ancré, très ancré dans le réel, ça le rend très très proche d'un sociopathe, d'un Edmund Kemper, hein, pour la corpulence, etc. Ça le rend assez proche d'un type de ce genre-là. Mais en même temps, ça enlève le côté surnaturel. Là, pour moi, ex aequo. Ouais, c'est difficile. Hein, très difficile. Moi, j'avoue que j'aime bien le traitement et puis le côté psychologique développé, etc. Maintenant, je peux pas choisir non plus. C'est un peu compliqué de choisir. En fait, difficile de... En fait, je pense que quand on regarde le film, le remake de Rob Zombie, il faut le voir... comme un film à part entière, il faut comme pas... Comme un film de Rob Zombie, en fait. Finalement. En fait, il faut pas le voir... Tu peux presque pas le regarder comme un remake d'Halloween. Parce qu'il s'est vraiment comme réapproprié, ça. Ouais, il faut le regarder comme, comme sa propre version du film c'est de ça. Carpenter. Et c'est là que les gens... parce que bon, c'est quand même le film de Rob Zombie a quand même été hyper mal critiqué. Hein, ouais, mais c'était surtout dû aux faiblesses d'écriture, en fait. Ouais, mais dans mon souvenir. Bon, non, les gens n'ont pas apprécié aussi qu'il y ait tout ce côté psychologique, etc., qui soit travaillé. C'est ce que je peux comprendre. Hein. Mais moi, justement, c'est ce que je trouve intéressant, en fait, dans le film. Et c'est dommage de s'arrêter juste à ça. Après, moi, je trouve que ça fait partie de ces bons remakes, en fait. Ben après, concernant le côté très ancré dans le réel, faut pas oublier qu'on est devant un film des années 2000. Okay. Et dans les années 2000, ça a commencé à être très à la mode de faire des films très très ancrés dans le réel. Ça a commencé à être la mode des remakes aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la mode des remakes, reboot, etc., a commencé avec les films d'horreur. Oui, parce qu'on avait eu Massacre à la tronçonneuse au début des années 2000, ensuite on a eu Halloween, ensuite on a eu Vendredi 13. Oui. La mode a commencé par là. En ce qui concerne la réalisation, bon, film des années 70 oblige, dans le premier... C'est une réalisation très classique. Classique au regard de ce qu'on voit aujourd'hui. Quoi. Pour le Halloween de Rob Zombie, bah, on voit que c'est un film de Rob Zombie, hein, parce qu'au niveau de la réalisation, il y a des arrêts sur image hyper brutaux. En fait, il fait ses arrêts sur image en pleine action, comme il aime bien le faire, comme il l'a fait aussi dans La Maison des Mille Morts, etc. Et ça donne ce truc en plus, bah, ça donne ce côté zombiesque. Bah, ça donne plus film, d'impact en fait. À certaines scènes, en fait. Ouais. Le fait de, bam, d'avoir cette rupture comme ça et de passer à autre chose. Ouais. Alors que effectivement dans La Nuit des Masques on a quelque chose de plus classique, de plus linéaire. Voilà. Bah classique au regard d'aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'on est en 1978. Hein. Oui, parce que même si c'est pas le premier. La vue subjective, la vue subjective au début du film. Ça, je pense que c'est assez innovant pour l'époque. Assez innovant. Clairement, ouais. Il y avait beaucoup de jeux de lumière, personnages souvent... qui sortaient de l'obscurité. Ouais, il est souvent caché dans l'ombre et tout d'un coup il est là et. Ouais, il y a quand même des trucs recherchés pour l'époque, quoi. Aujourd'hui, ça nous paraît totalement banal parce que, ben, tout a été fait. Mais pour l'époque, c'est innovant, quoi. Bon, bilan pour moi, surprise. Le vainqueur pour moi, même si j'ai beaucoup d'affection pour la version de Rob Zombie, pour moi, le vainqueur reste le film original. Pour moi aussi. Et vraiment, ça tient pas à grand-chose parce que j'adore la version de Rob Zombie, mais vraiment,
Ça tient essentiellement au personnage de Laurie qui pour moi est beaucoup trop faible dans la version de zombies en fait. Alors moi le bilan, c'est pourquoi je trouve que le premier est meilleur, c'est que c'est les personnages, l'écriture des personnages. J'ai du mal à supporter Laurie Strode et l'entourage de Laurie Strode, pas le jeu d'actrice, hein, parce que les personnages sont écrits comme ça, mais l'écriture, et l'écriture de Michael Myers, qui à la fois apporte des choses, mais en enlève beaucoup trop par rapport au personnage. Oui, parce que du coup, tu as tendance à t'attacher en fait à lui. Ouais, et à presque lui trouver des excuses. T'as presque de l'empathie pour lui, et c'est pas le but. Michael Myers, tu peux pas avoir d'empathie pour lui. Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour. Je pense qu'on a tout dit, oui. Si vous avez aimé cette vidéo, ce nouveau format, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à nous laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également partager notre vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors n'oubliez pas, on est toujours présents sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.